l'ambassadeur de France, soyez l'embajador de Francia. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir. D'abord parce que vous avez bravé le football, han superado el fútbol. Et ensuite parce que nous lançons un peu notre opération mai 1968 avec cette conversation, ce débat avec Pauline Dreyfus et Ignacio Vidal-Folch. Et c'est une célébration, ce mot célébration est excessif, hein, no se habla de celebración, sino más bien de debates, de memoria, de discusiones, de conversaciones, etc. Sobre mayo del 68, vamos a tener 4 películas, 3 conferencias, debates, vamos a tener muchos eventos sobre este momento de 1968. A diferencia de las personas aquí, yo tuve el honor, el privilegio, o no sé si es el privilegio, j'ai eu l'honneur de connaître 1968, parce que j'avais 15 ans, tengo 65 años, para el cómputo no es muy difícil, y estaba en un liceo de París, entonces yo me acuerdo muy bien de esos eventos, pero no me acuerdo de lo que pasó en el Hotel Meurice, lo que nos va a explicar, ce que vous allez nous expliquer ce soir, chère Pauline Dreyfus. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable, de penser à cette année 1968, et le roman de Pauline Dreyfus nous fait entrer d'une façon particulièrement subtile, réellement subtile dans ce moment-là, parce qu'on voit bien la frontière entre le passé et le futur, on voit bien mille choses, on voit dans ce petit microcosme, mais on va en parler tout à l'heure, que l'hôtel Maurice, au fond, toute une problématique sociale, littéraire, culturelle, politique. Et c'est vraiment formidable. Et puis Ignacio Vidal-Folch, qui est évidemment quelqu'un que vous connaissez, il le connaît très bien, c'est un grand periodista y novelista, y que va commentar, introducir, moderar el debate sobre esta novela y sobre mayo del 68. Entonces, bienvenidos, bienvenue a tous. Es un primer paso para otros eventos de la memoria del 68. Claro, debemos agradecer a Anagrama haber traducido el libro, porque está presente aquí, Abolición de la Sociedad de Clase, c'est clair. Y bueno, buena velada. Muchas gracias. Y a vous de jouer. Merci, madame. Buenas tardes. Hola. Se me oye, ¿verdad? Sí. Pues gracias, señor embajador. Y gracias al Instituto Francés, que además me ha acogido. Yo llevo muy poco tiempo viviendo en Madrid y en los primeros meses estaba en un piso un poco incómodo y para trabajar me solía ir, pasaba los días mientras buscaba un piso más cómodo en la Biblioteca Nacional, muy cerca de aquí, pero cuando coincidían los horarios me venía a la biblioteca de este instituto. Aquí precisamente he pasado muchas horas muy felices, pero muy peligrosas, porque en vez de trabajar lo que hacía era ir descubriendo los libros que tienen aquí en la biblioteca, y así me leí, no sé, la autobiografía de François Sardy, la de Serge Gainsbourg y tal, en vez de estar trabajando, ¿no? Porque, saben ustedes, es mucho más agradable leer que escribir. Y esto lo digo por experiencia, es más fácil. Una vez me encontré en Barcelona con la escritora ya difunta Ana María Moix, que era muy simpática, muy agradable. Y me la encontré en una tienda y me dice,
Ignacio, ¿estás escribiendo algo? Porque publicas muy poco. Y le digo, sí, Ana María, no estoy escribiendo nada, porque leí una entrevista contigo que te hicieron y en la entrevista tú decías que lo que nos gusta no es escribir, sino leer, que escribir es difícil y leer es un placer permanente. Y ella me contestó, sí, es verdad, pero te diré una cosa, el escritor que no escribe es profundamente infeliz. Entonces salí de la tienda aterrorizado porque pensé que tenía mucha razón. Bueno, estoy aquí para presentar esta novela, esta autora, Pauline Dreyfus, que me ha impresionado por muchos conceptos que luego intentaré explicar. Pero antes de entrar, digamos, en materia de lo que es la novela y antes de empezar a hacerle algunas preguntas para que ella se explique, me gustaría empezar casi por el final. Y el final es la aparición de un personaje inesperado, que es el tema de una novela de Patrick Modiano. A mí me ha recordado algo que quizá a ustedes les suene por un trabajo de Arcadi Espada y un equipo de periodistas y escritores que se pusieron a investigar, como verán luego, tiene que ver con la novela de Pauline, se pusieron a investigar el destino, lo que había sucedido con una mujer llamada Ali Erskovitz, creo, que aparece en una página de un libro de Josep Pla. Conocéis al gran periodista y el mejor escritor catalán del siglo XX que se llama Josep Pla. Y entre sus libros hay unos dietarios, uno que se llama Notas dispersas. Y en ese libro hay una nota que dura una página nada más y que dice, me acuerdo de Ali Erskovitz. Dice, la conocí en un café de París, del Berlín de la inflación, del Berlín de la República de Weimar, le ayudé a curarse una infección que supongo que era sífilis. La conoció en aquel ambiente de bohemia y de inflación permanente, de desesperación económica y política, de previa a los años de la ascensión de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial. Dice, luego sé que se me acompañó a París, luego le perdí la vista y luego ya no he podido. Y todo esto dura solo una página. Dice, no he podido luego encontrar más noticias sobre ella. Vino la guerra, tuve que volver a España y aunque intenté hacer algunas gestiones para saber qué había sido de ella, solo puedo temer lo peor. La vida es horrorosa y pasa y los amigos se van y tal. Y así se acaba la nota. Entonces Arcadi Espada y su equipo de varios periodistas en varias ciudades decidieron, no sé por qué, averiguar qué había pasado con esta señora. Y esta chica, efectivamente, localizaron su ficha en los cuarteles de las SS o de la policía alemana y averiguaron que efectivamente había acabado en Auschwitz. Era una chica rumana de una familia, uno de estos destinos centroeuropeos trágicos y horribles de la Segunda Guerra Mundial, ligado al exterminio al Holocausto. Lo cual me recuerda también en las memorias de Casimir Brandis, que es un gran escritor polaco, autor de una novela que se llama Rondó, publicada en esta misma novela, y que luego decidió, según él mismo explicaba Brandis, explicaba que había dejado de escribir novelas y se había pasado a los diarios y a los dietarios y a los ensayos porque la vida contemporánea le parecía tan apasionante que no le interesaba escribir más novelas. Pero en uno de esos diarios que se llama De Mémoire, lo leí en francés, no leo polaco, De Mémoire, él vivía en París, habla de una noche durante la insurrección de Varsovia, durante la Segunda Guerra Mundial, que la pasa con una chica llamada Teresa, la pasa con esta chica Teresa, mientras la ciudad está en llamas, sometida a los bombardeos y a los tiroteos, en fin, al ataque de los alemanes, la insurrección de los polacos, intentando escapar de la policía. Y luego acaba diciendo, logran pasar vivos el resto de la noche, vivos y escondidos, y luego acaba diciendo,
Bueno, luego no he tenido más noticias sobre esta Teresa, pero creo que acabó en Buenos Aires, en Argentina, que se pudo escapar y tal. Luego en el epílogo del mismo libro, increíblemente Brandis explica, hay un momento en que explica cómo ha escrito ese libro. Y ahí dice, bueno, esta Teresa murió en realidad, todo esto es verdad, y Teresa en realidad murió durante la insurrección de Varsovia, pero no me parecía, me parecía demasiado triste, de manera que la he querido salvar en la literatura, cosa que me parecía asombrosa, y escribí un ensayo diciendo, hombre, Brandis, yo le admiro mucho, pero usted aquí ha hecho algo que no debería haber hecho, ¿no? Todo esto viene a cuento del poder que tiene a veces un solo nombre como atracción de la curiosidad, el interés y como anzuelo de toda una historia, de una vida, de una situación política, de una situación histórica. En la novela de la señora Dreyfus, señora o señorín, señora Dreyfus, vamos a llamarla, toda la novela, que parece como un vodevil, una fiesta de la literatura, una juerga llena de humor, llena de ironía, con un aire ligero en principio, acaba y converge precisamente en una historia como estas, como esta, que es la explicación de uno de los personajes secundarios. Ahora inmediatamente voy a intentar resumirles en 2 minutos para dar paso a las preguntas. Intentaré resumirles en un par de minutos de qué va la novela y cómo se estructura, pero digamos que un personaje secundario al final conoce al novelista francés Patrick Modiano, que ya lo conocéis todos porque es premio Nobel de hace 3 o 4 años, autor de muchas novelas, precisamente muchas de ellas ambientadas o durante la ocupación o después, una de esas novelas, Dora Bruder. Patrick Modiano escribe Dora Bruder cuando vio, revisando periódicos antiguos, un anuncio publicado en un periódico del año 42 o algo así, no recuerdo exactamente en qué año, o sea, durante la ocupación de los alemanes en París, un anuncio en que se decía, ha desaparecido esta chica de 15 años llamada Dora. Modiano, el narrador, fascinado por este anuncio, inquietado por este anuncio, hace una investigación y se entera de que esta muchacha también acabó en Auschwitz. Y cuenta Modiano en alguna entrevista posterior que después de publicada la novela le llegó más información sobre Dora. Supo muchas más cosas. Dice, pensé que debería reescribir la novela, pero luego pensé, no, es una novela, no es una historia. Bueno, con una historia, con esta historia modianesca contada a través de un personaje secundario de la novela, la señora Dreyfus le da un toque, le da un vuelco total a esta novela, como ya hizo con la anterior. La novela anterior se titulaba ¿S'appelait comment votre le roman antérieur? Ce sont des choses qui arrivent. Son cosas que pasan, que es un leitmotiv de la novela anterior. La novela anterior son cosas que pasan, sucede durante la Segunda Guerra Mundial, durante cuando los alemanes conquistan Francia, se divide el país, se instala un gobierno, el gobierno del general Pétain en el sur de Francia, en la zona de Vichy, que sería el gobierno de Vichy, y ahí van también los personajes que son gente de aristocracia y que también dentro de la catástrofe de la nación parece que viven flotando sobre el horror, flotando sobre la tragedia nacional, hasta que de repente en un giro como este, que acabo, como en el giro de del que acabo de hablarles, en la novela siguiente, también llega una información a la protagonista. Y la novela cambia completamente y pasa de ser una especie de fiesta bajo las bombas a ser algo mucho más angustioso, mucho más trágico. Pauline Dreyfus, digo, es una mujer como autora, como narradora,
muy coherente. Su territorio parece ser, por lo que he leído yo, solo he leído estas dos novelas, creo que ha publicado alguna otra cosa antes, pero su territorio narrativo está siempre en la encrucijada del gran mundo y el antisemitismo. Coherente en el sentido también de que hay personajes que salen en los tres libros, de las tres novelas que ha publicado. Me refiero al escritor Paul Morin, un escritor snob, un amigo de Proust, un protegido de Proust, hombre de derechas, embajador de la Francia de Vichy, y que aparece como tema de su primera novela, que se llamaba Inmortal por fin, Un mortel enfant, porque ya sabéis que a los académicos franceses les llaman los inmortales. Hay una anécdota de Cioran con Ionesco, que Ionesco le proponen ser miembro de la Real Academia Francesa, y Cioran le dice que no debe aceptarlo jamás, que eso es la muerte de un escritor. Y Ionesco dice, no, pero es que yo quiero, a mí me apetece ser de la Real Academia. Y Cioran le insiste que no, al final Ionesco, que eran los dos rumanos afrancesados, al final Ionesco se enfada con Cioran y dice, no, yo lo voy a aceptar, y entonces, bueno. Entonces, al final, ya Cioran cede. Entonces, Ionesco le hacen miembro de la Academia Francesa y dice, entonces ya soy inmortal, dice. Y entonces Cioran le dice, no te creas, no es tan seguro, porque algunos los han sacado de la Real Academia, de la Academia Francesa. Por ejemplo, a Pétain, a Morras, han sido inmortales, pero luego los han quitado la inmortalidad. Y entonces Ionesco responde, entonces todavía hay esperanza, ¿verdad? Vamos a ir quizá a hacer algunas preguntas para no ocupar yo todo el tiempo del que disponemos, ¿no? Paul Morin aparece en esta primera novela, Inmortal por fin, aparece en Cosas que pasan como uno de los personajes de la Francia de Vichy, aparece en El banquete de las barricadas como miembro del jurado de un premio que se está concediendo en el Hotel Maurice, precisamente en los días de mayo del 68. Este premio, todos los miembros del jurado son ex colaboradores, ex miembros intelectuales de derechas, de la derecha conservadora, de la derecha colaboradora con el régimen invasor. Pero ese año, además, es el año en que le dan el premio por la novela que hemos mencionado antes, el premio a Patrick Modiano. Entonces, toda la novela está ambientada en el Hotel Maurice. El Hotel Maurice es muy importante en París también porque durante la Segunda Guerra Mundial fue la sede o fue el cuartel general de las fuerzas de la ocupación. Ahí, por ejemplo, fue donde creo que Junger, el gran escritor alemán y militar, recibió la visita de Céline, que le decía, y Junger luego lo apunta en sus dietarios, en sus diarios, dice, ha venido, le llamaba Merline, ha venido Merlín y es un hombre repugnante que ha estado diciéndome que somos demasiado suaves con los judíos o que matamos poco o que somos demasiado benevolentes, ¿no? Entonces, en el Hotel Maurice, en ese mismo hotel que era la sede de uno de los grandes hoteles de París, es donde se celebra la reunión, el banquete del premio al que tiene acceso Patrick Modiano. Toda la novela explica cómo es la vida del hotel, de muchos de sus personajes, entre ellos Salvador Dalí, Paul Getty, Paul Morin, varios personajes conocidos, durante un día de mayo del 68, mientras alrededor está hirviendo la revolución, por decirlo así. El mismo hotel se ha sumado a esta insurrección, los empleados han depuesto al director, han tomado el poder y se han constituido una especie de cooperativa en la cual tienen que decidir si se sigue concediendo el premio o no.
Como digo, es todo muy divertido, muy gracioso, hasta que de repente da unos quiebros que convierten la farsa en una especie de tragedia melancólica. Vamos a... yo recomiendo mucho la novela. No quiero hacer mucha crítica literaria sobre cómo escribe la señora Dreyfus. Ahora le haré alguna pregunta sobre ello, pero en la contraportada dice, por ejemplo, frases como «Mayo del 68 es un periodo abordado hasta la extenuación y, sin embargo, Pauline Dreyfus consigue aportar una mirada nueva, instructiva y elocuente». Cuentan en el Figaro Literario. Cuando en la página 122 usted cuenta lo que pensaba Modiano de las palabras de Morán. No sé si en la página 122 entramos en la mente de Modiano, dice. Tras oír el discurso de Morán, el joven está convencido de que ese premio es fruto de un malentendido, etcétera, etcétera. Entonces se mete en la mente de Modiano. ¿Esto no le limita, no le preocupa, no, o al revés, es una forma de liberar la imaginación? Ça me limite pas du tout parce que, en fait, le déjeuner des barricades, c'est un jeu constant entre la réalité et la fiction, comme vous avez pu le remarquer. Le point de départ est tout à fait authentique. Ce déjeuner a tout à fait eu lieu le 22 mai 68 au Meurice, dans ce palace qui a voté l'autogestion la veille, donc qui participe à sa façon au grand mouvement de contestation. Et c'est la première consécration littéraire d'un futur prix Nobel, de Patrick Modiano. Donc tout ça est parfaitement exact. Mais ce qui ne l'est pas du tout, c'est que les employés de l'hôtel sont tous des personnages de fiction, que ce fameux notaire qui va donner à Patrick Modiano, à la fin du livre, l'idée de Dora Broder est sortie de mon imagination, et que moi, ma liberté, d'une part, je la trouve dans la contrainte de la vérité historique, parce que tout... Vous voyez, tout est vrai sur les événements de cette journée, les événements politiques. Et je trouve ma liberté dans ces personnages de fiction parce que là, je peux inventer leur existence, leur créer un passé et voilà, les faire agir selon mon bon plaisir. Donc en fait, je n'utiliserai certainement pas le mot que vous avez utilisé qui était le mot stratégie littéraire. Je ne pense pas que ce soit de la stratégie. Je pense que c'est plutôt... une façon d'écrire dans laquelle je me sens à l'aise. Mais il n'y a pas de calcul. Une façon d'écrire. Mais il n'y a pas de calcul. Vous voyez, le mot stratégie me fait penser à un calcul et je ne crois pas qu'il y en ait, en fait. Uh-huh. Pas du tout. Pas du tout. Vous connaissez M. Modiano ? Vous avez parlé avec lui ? Vous avez... Non, j'ai essayé. J'ai essayé de parler avec lui. Je lui ai écrit deux fois pendant que j'écrivais le livre. Une fois à sa maison d'édition chez Gallimard, une fois chez lui, son adresse personnelle qu'on m'a donnée. Je n'ai eu aucune réponse. J'espérais prendre un café. J'avais expliqué mon projet, donc voilà, avoir un petit peu son récit à lui. Quand le livre a été imprimé, que j'ai fait mon service de presse, bien entendu, je lui ai envoyé un exemplaire avec une belle dédicace. Pas davantage de réponse. Et il paraît qu'il fait ça avec tout le monde, donc il ne faut pas que je le prenne personnellement. Mon éditeur espagnol, Anagrama, me disait que, qui publie Modiano, m'a dit qu'il avait invité Modiano 20 fois à Barcelone et que Modiano n'est jamais venu. Donc voilà, il est comme ça avec tout le monde. Cela dit, j'avais été assez aidée parce qu'il a donné une interview en 2009 à une revue française qui s'appelle La Revue des Deux Mondes et où il racontait ce déjeuner. Disant notamment que pour lui ce prix littéraire était un malentendu. Et c'est pour ça que je dis qu'il pense que c'est un malentendu, mais en fait il l'a vraiment dit. Et c'est un malentendu pourquoi ? Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il se retrouve face à un jury de gens très à droite qui ont eu pas mal d'ennuis pendant la guerre et qui n'ont pas du tout compris son livre. Parce que La Place de l'Étoile, c'est un livre... assez drôle d'ailleurs, mais qui détourne tous les clichés de l'antisémitisme. Et le jury, il a lu le livre au premier degré. Et ces vieux messieurs se sont dit, mais ce gamin est génial, il a 22 ans, hein, je rappelle, il est tout jeune. Il pense comme nous, donc il faut le récompenser. Ils n'ont rien compris. Et lui se trouve dans cette situation pas très confortable, c'est qu'à l'époque, il est très très pauvre. Mais vraiment, quand je dis très pauvre, il va voler dans les grands magasins.
Et on va tout d'un coup lui remettre un chèque de 5000 francs, alors que le SMIC est à 500 francs. Donc, c'est un gros chèque. Donc ça, le chèque est bienvenu. Et en plus, il a derrière lui une maison d'édition qui, comme toutes les maisons d'édition, est très contente qu'un premier roman sorte de l'ombre, voilà, reçoive un petit coup de projecteur. Et Modiano, enfin, c'est quelqu'un de très timide. Donc c'est pas le genre d'homme qui va gâcher la fête. Vous voyez, il voit qu'ils sont contents, qu'il y a un somptueux déjeuner qui est en train d'être servi. Il n'est pas là pour refuser le prix ou pour faire la moue. Mais toute l'affaire est un malentendu, et c'est pour ça que ce prix, ce jour-là, est très intéressant. Est-ce que c'est la curiosité qui s'éloigne un petit peu? Modiano, il a dit, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez raconté ici, ou bien j'ai lu dans un autre milieu, dans un autre journal, ou quelque chose, que l'occupation, c'est pour lui le Big Bang de sa narrative, l'époque... Oui. Il est obsédé depuis toujours, alors qu'il est né en 1945, donc il est né après la guerre, juste après la guerre, et en fait, déjà à cette époque-là, en 1968, il n'a que 22 ans, mais il ne pense qu'à la guerre et à l'occupation, et quand il rentre dans cet hôtel Meurice, qui a été, comme tous les grands hôtels de Paris d'ailleurs, occupé par les Allemands, Modiano, il est replongé dans cette époque, dans cette atmosphère, et il oublie complètement mai 68 et les pavés qui valsent au quartier latin. Il est très étrange, Modiano. Mmh. Il tourne. C'est une plaie qu'il n'arrête pas de gratter. Voilà, c'est ça. Et pour vous aussi, peut-être, parce que j'ai dit au début de mon intervention que votre, les deux romans que je connais, du moins, sont dans cette jonction entre la haute classe ou bien la haute société et l'antisémitisme. Oui, mais le déjeuner des barricades, c'est quand même, d'abord, ça se passe pas pendant la guerre, bien même fait. Si elle est évoquée, évidemment, et c'est plutôt le mode de la satire et du vaudeville, même si la fin est plus mélancolique. Mm-hmm. Mais voilà, c'est, je pense que c'est un autre ton quand même. Alors que Modiano n'est jamais dans le registre comique, si vous faites attention. Oui. C'est vraiment... je me demande même s'il saurait faire. Ouais. Non, sa narrative, disons, floue, oui. Imprécise. Bien sûr. Tandis que la vôtre est très... Au contraire. Oui, factuelle, disons. Votre roman coïncide avec les 50 anniversaires... Su novela coincide con el 50 aniversario de mayo del 68. ¿Sabía usted, perdone que hable otra vez de estrategia, pero tenía usted pensado que saldría en esa época? No. Non, encore non. Il n'y a pas de stratégie. D'abord, ce roman, il est sorti en France fin août 2017, donc pas au moment de l'anniversaire. Et ça ne me viendrait jamais à l'idée d'écrire un livre en fonction d'un anniversaire, ou alors c'est une commande. Mmh. Mais là, c'est venu comme ça, le sujet me plaisait, c'est tout. Mmh. Ouais. Mmh. Hablemos un momento de cómo usted empezó a publicar novelas, aunque había publicado ya algunos libros antes, pues ya entrada en la década de los 30. Es decir, no es una novelista que empieza muy joven, como Modiano, por ejemplo, que empezó a los 22 años. Sin embargo, usted empezó relativamente tarde, aunque con un éxito creciente y bastante rápido, según me parece, por lo cual le felicito. ¿Puede decirme por qué entró tan relativamente tarde y qué se dedicaba? ¿Usted creo que viene del periodismo o que sigue siendo periodista? No, je venais pas du journalisme, mais en fait j'écrivais déjà, mais j'étais négresse. Alors ça, pauvre traductrice, elle va avoir du mal à traduire, c'est-à-dire que j'écrivais des livres pour des gens connus. Donc le livre était signé de quelqu'un d'autre, mais c'était moi qui l'écrivais. Vous voyez, les hommes politiques, les journalistes, les chanteurs, les joueurs de football. Voilà. Donc en fait, j'écrivais déjà, mais dans l'ombre. Et comme toute négresse qui se respecte, un jour, j'ai voulu sortir de l'ombre et écrire sous mon nom. Donc en fait, officiellement, j'ai commencé assez tard. Vous avez raison, vers 33 ans, mais en fait j'écrivais déjà, voilà, et j'ai adoré cette expérience. Je dis souvent que ça m'a formé énormément, parce que ça m'a obligé, c'est la meilleure école du roman, parce qu'on est obligé de se mettre dans la peau de quelqu'un de totalement différent,
et j'ai jamais joué au foot. Et j'ai jamais quoi ? Joué au football. Ah. Oui, c'est pas mon truc quoi. Alors. Mais quand il faut raconter la vie, enfin les mémoires d'un joueur de football, il faut se mettre dans la peau du joueur de football. Et donc c'est la meilleure école pour écrire un roman, parce que ça développe l'imagination, la précision, le sens du détail, et puis l'idée que en fait un être humain c'est toujours quelqu'un qui a une voix, et que cette voix là elle est unique et elle est différente des autres. Voilà. Et non, ça a été une très bonne expérience. J'ai fait ça pendant 10 ans. Voilà. Pendant 10 ans. 10 ans. Et là, je ne suis pas drôle du tout parce que je n'ai pas le droit de dire pour qui. Vous savez pas ? Pas le droit de vous dire pour qui. Ah. Parce qu'en général, c'est la question qu'on me pose ensuite. Ah, mais je ne peux pas. Je peux pas. Mais ouais. Vous pouvez me dire peut-être qu'est-ce que c'est plus facile de faire, d'écrire la vie d'un football player ou d'un politicien ? Par exemple, moi, comme journaliste, je sais que la chose la plus difficile, c'est de faire une interview à un acteur. Parce que je sais bien qu'il ne va rien me dire. Ça va être très difficile de lui arracher quelque chose de sérieux. L'homme politique, il ne dit pas grand-chose non plus. Hein. Ah oui ? Ah non. Non, non, c'est pareil, même combat. Ah. Non, et puis l'homme politique, il a, je ne sais pas si ça existe en espagnol, il parle souvent la langue de bois. C'est-à-dire que c'est des longues phrases, mais qui ne veulent rien dire, enfin, où il n'y a pas de contenu, des phrases toutes préparées. Alors, c'est très ennuyeux. Et voilà. Non, je dirais que, à la limite, le footballeur, c'est mieux. C'est plus vivant. Uh-huh. C'est plus drôle. Vous avez fini pour aimer le football ou ça a été... Toujours pas. Non, toujours pas. Non, j'ai cru que vous alliez me demander si c'était plus facile d'écrire pour les autres ou d'écrire ses propres livres. Bon, oui. Vous connaissez la réponse ? Non. Bah, quand même. C'est ça le plus dur. Ah, oui. Ça, parce que ça, on joue la vie, on se joue la vie. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plus facile de lire que d'écrire. Ah, oui. Comment êtes-vous arrivé à votre style, qui est un style net, sec, comme dit quelqu'un dans la ironique, mais retenu. Vous montrez les choses, mais ne jugez pas. Vous n'appuyez trop jamais sur le jugement, mais vous laissez toujours la place au lecteur. Pardon, que es, bueno, pero lo están traduciendo igual, ¿no? Bueno, deja, usted deja sitio. Vous laissez la place au lecteur pour. Français ou espagnol? Vous avez essayé longtemps avant de trouver votre voix ? Non, ça, je pense qu'il est venu assez vite. Mais je pense que le grand risque dans la satire, dans ces livres qui manient un petit peu l'ironie et la moquerie, c'est qu'on peut très vite verser dans la caricature. Or, jamais personne n'est complètement ridicule. Jamais personne n'est complètement pathétique. Jamais personne n'est complètement antipathique. On a toujours un peu des deux. Et c'est pour ça que j'essaye toujours, dans chaque personnage, qu'il y a un bon côté. Et puis, il y a toujours des défauts. Mais nous aussi, on est comme ça dans la vie, en fait. Voilà. D'avoir trouvé ce point d'équilibre. Voilà, j'ai toujours peur de... Quand vous dites « vous appuyez pas trop », ça me fait plaisir. Parce que j'ai toujours peur de tomber dans la caricature. Ouais. Maintenant, parlons un petit peu du gros du livre, c'est-à-dire l'ambiance, les jours qui sont décrits là. Pourquoi vous avez choisi mai 68 et pourquoi cette journée et très bien, je pensais de le faire dans l'hôtel Maurice. Mais bien sûr. Parce que mai 68, d'abord, j'étais pas née. Contrairement à monsieur l'ambassadeur, donc moi j'avais pas de souvenirs et donc pas de nostalgie. Alors je me sentais tout à fait libre. Et moi j'avais quelques clichés en tête, les mêmes que tout le monde, c'est-à-dire les étudiants qui balançaient les pavés au quartier latin, et puis les ouvriers de l'usine Renault qui occupaient les usines. Et puis j'ai découvert, par hasard, que la fièvre de la contestation avait été si intense qu'elle avait contaminé des endroits complètement inattendus où on ne s'attendrait pas à ce qu'on fasse la révolution, comme les palaces parisiens. Parce que ça a été au Meurice, mais ça a été en fait dans tous les palaces parisiens, qui sont a priori plutôt des endroits de grande quiétude sociale, de grande stabilité et plutôt un refuge du,
du monde capitaliste et de l'ordre, voilà, je dirais. Eh bien, j'ai découvert que même là, les employés avaient voté l'autogestion, donc l'autogestion qui est vraiment l'utopie 68 art par excellence. Ça veut dire qu'ils ont mis le directeur à la porte, qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils se sont réunis tous les matins en assemblée générale en disant il faut rendre le pouvoir à la base, et tout ça dans leurs uniformes très élégants, c'est-à-dire en queue de pie, en gants blancs. Donc la situation est quand même vraiment cocasse et inattendue. Et je trouvais que c'était un très bon point de départ pour un roman, d'avoir cet endroit inhabituel et cette situation inhabituelle dans cet endroit-là. Voilà. Donc c'était le point de départ. Et ensuite, c'est greffé ce déjeuner qui était prévu avant le début des événements, avant le début de la grève générale, et dont jusqu'au bout, on s'est dit que peut-être il n'aurait pas lieu, parce que c'était un déjeuner compliqué à organiser. C'est un déjeuner qui était une provocation pour beaucoup de gens. Voilà, ce n'était pas évident que le déjeuner pourrait avoir lieu. Et finalement, il a eu lieu. Et la confrontation de ces deux univers, c'est-à-dire l'univers des employés de Madame Gould, des invités de Madame Gould, qui sont plutôt des nantis, et des employés en autogestion, c'était assez tentant à faire. Aparece también, pero me hubiera gustado que le dedicara unas páginas más. Aparece también, pero lástima que no le haya interesado dedicarle muchas más páginas a Salvador Dalí, que como ustedes saben también cuando estaba en París se alojaba en el Hotel Maurice y tiene una aparición, no tanto él como su ocelote, su animal, tiene una aparición estelar en este hotel donde daba sus grandes banquetes y donde hacía sus representaciones. Oui, alors il apparaît quand même sous un tout petit angle artistique, souvenez-vous, c'est que Dali avait l'habitude de peindre sur les murs de sa chambre au Maurice, sur les miroirs, et que les femmes de chambre, qui étaient d'excellentes femmes de chambre, très sérieuses, elles passaient derrière et elles nettoyaient les œuvres d'art, un peu comme Picasso faisait des dessins sur les nappes en papier dans les bistrots à Paris. Et voilà, donc il y a beaucoup d'œuvres d'art qui se sont perdues à cause du zèle des femmes de chambre au Maurice. Ouais. Mais Dali, dans cette histoire, est plutôt un personnage secondaire, dans mon esprit. Oui, bien sûr. Voilà. Mais un personnage haut en couleur. Et c'était, de toute façon, c'était le client le plus célèbre du Maurice. Et involontairement, le Maurice, le directeur, l'adorait et lui passait toutes ses bêtises, parce qu'en fait, il faisait une énorme publicité à cet hôtel. Donc les audaces de Babou, son Oslo, on pardonnait. Mmh. Ouais. Quelle est votre opinion, disons, sur mai 68? Il y a deux grandes opinions. L'une qui dit que c'était un caprice d'une jeunesse trop protégée. Et des autres qui disent que c'était le fruit d'une révolution de la jeunesse qui avait déjà eu lieu et qui simplement a éclaté ou s'est fleuri, disons, dans ces journées violentes ou révoltées, et d'autres qui disent que non, que ça a vraiment changé la façon de penser, l'idée sur, disons, que ça a été une révolution féministe aussi, une révolution des valeurs, des libertés, des idées. Plus de liberté. Moi, je pense en effet que il y a une différence, c'est très étonnant. Mai 68, les émeutes urbaines durent 3 semaines, la grève générale. C'est pas très long, 3 semaines. Et ces 3 petites semaines, elles ont laissé une empreinte extrêmement durable dans l'imaginaire national, à tel point qu'on est ici en train de fêter les 50 ans de mai 68 à Madrid. Parce que politiquement, le général de Gaulle a gagné, il a remporté les élections, tout est rentré dans l'ordre, les gens sont retournés au travail. Mais en fait, c'est sur le long terme qu'il a perdu. Parce que regardez comme la société a changé dans les mois et les années qui ont passé, et ça c'est grâce à mai 68. Quand vous voyez les premières mesures qu'a prises le président Giscard d'Estaing en 74, juste après son élection, ce sont des mesures directement inspirées de mai 68. C'est le droit à l'avortement, c'est la majorité à 18 ans. Ça, c'est tout à fait l'esprit de mai 68. Et on est 6 ans après. Mais en fait, je pense que mai 68 a beaucoup, beaucoup changé la société. Mm-hmm. Ouais.
Voilà. Et si vous me demandez mon regard personnel sur ces événements-là que je n'ai pas du tout vécu, c'est qu'en faisant des recherches, moi j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. D'abord parce que tout ce que les gens m'ont raconté, c'est qu'on a fraternisé énormément. Les gens se sont mis à se parler les uns les autres, à parler dans la rue avec des inconnus, une espèce de défoulement collectif. Les slogans sont d'une imagination, d'une inventivité extraordinaire. Ça, je dis ça d'un point de vue d'écrivain. Moi, j'ai cherché des slogans moins connus que sous les pavés, la plage, où il est interdit d'interdire. Et j'ai trouvé des pépites, hein, vraiment des trésors. Mon préféré étant la barricade ferme la rue, mais ouvre la voie. Est-ce que vous trouvez pas ça génial? Ah, moi, je trouve que c'est formidable. Et puis, il y a cette prégnance des utopies. Voilà, dans mes 68, qu'on a peut-être un peu perdu et que je trouve voilà, sympathique. Écoutez, je vais finir avec une dernière question et puis on va passer la voix, si vous voulez, au public, pour que si quelqu'un a intérêt de demander quelque chose. Mais je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous voudrais arriver à... J'avais l'idée vraiment d'aborder mai 68 par la face comique et joyeuse, de ne pas être prisonnière de l'idéologie. Et quand les gens me disent « je me suis beaucoup amusée en lisant ce livre », je suis très contente. Mais il n'y aurait que ça, ce serait un peu court. Et quand vous me parlez du rebondissement final et de cette silhouette, voilà, qui va apparaître, qui va donner un personnage de Modiano, c'est ça aussi que j'ai voulu dire. C'est qu'en fait, chaque événement porte en lui des événements ultérieurs qu'on ne voit pas tout de suite. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était que la vie, c'est des poupées russes. Dans chaque poupée, il y a une autre poupée. Et voilà. Et c'était montré que ça ne s'arrêtait pas. Voilà. Même dans la partie comique du roman, il y a un moment où on raconte qu'il y a une violence, il y a des blessures, oui, comment les étudiants entre eux sont frappés, etc. C'était très violent, et les pauvres policiers, les CRS qu'on traitait de SS, qui n'étaient pas quand même très heureux comme insulte, étaient en danger toutes les nuits. Et du coup, tapaient très fort les étudiants. C'était assez violent, hein, mai 68. Ouais. Bueno, pues no sé, tenemos como unos 10 minutos y seguramente alguien del público tendrá curiosidad por preguntarle a la señora Dreyfus algo sobre la novela, no sé si la han leído o si les ha interesado algo de lo que hemos estado hablando, pues a lo mejor también pueden pedir que se extienda sobre ese extremo. ¿Alguna palabra? Du titre français, parce que le déjeuner, ça a été traduit par banquet. Alors, et qu'est-ce qu'il aurait fallu utiliser comme mot? La comida. Hein. Enfin, je crois qu'en espagnol, le mot déjeuner. Alors ça, il faut demander à l'éditeur. Alors je sais pas je sais pas quelle est la raison, parce que en fait. Mais quelle différence en espagnol faites-vous entre comida et banquete? C'est quoi la nuance? Banquete es un poco más. Un grand déjeuner. Un grand déjeuner. Pero piense que no podrían haber titulado fácilmente La comida de las barricadas, porque parecería que hable del rancho de los revolucionarios. O si hubieran puesto el almuerzo de las barricadas, la palabra almuerzo, suena ya un poco también antigua. De sí, pero que banquete suena un poco como... En fin, creo que en francés, desde luego, déjeuner y banquet no es lo mismo, me parece a mí, ¿no? Pero normalmente, precisamente, hay alguien de la editorial que quizá quiere explicarlo, dar su opinión por aquí, pero yo creo que precisamente se habla mucho, siempre en la tradición española, de banquetes literarios. Se da un banquete de celebración a Ramón Gómez de la Serna, que vuelve de Argentina, un banquete. Y no me parece una mala solución banquete, pero bueno, no soy el traductor, o sea que si conviene también puedo decir que es horrorosa esta traducción y que el título está acabado. A mí como traductor me parece que es una manera de traducirlo muy, muy buena, porque anima, o sea, almuerzo o comida
no tiene ningún atractivo, sin embargo, Banquete, además está en la tradición, los banquetes literarios, que es lo que cuenta la novela, ¿no? Me parece muy acertada la traducción. A mí, si de título hay que hablar, me sorprende lo de la abolición de la sociedad de clase que no veo en el Le Déjeuner de Barricade, porque lo han puesto. Para seguir con ese tema. C'est une affiche de mai 68 qui a été prise sur la couverture. Mais c'est intéressant cette question du mot, parce qu'il y a dû avoir une hésitation chez le traducteur, puisque moi, le premier projet de couverture que j'ai reçu de l'éditeur espagnol, c'était la Comida de las Barricadas. Ça, je m'en souviens très bien, que comme je ne parle pas espagnol, j'ai fait attention aux mots. Et ensuite, quand j'ai reçu l'exemplaire, c'était devenu le Banquete. Donc je pense qu'ils se sont posé la question aussi. Voilà. Je ne sais pas. Ouais. Le déjeuner et la comida. Ouais, je sais pas. Ouais. Se documentó mucho. Madame a une question là. Qui? Quand vous parlez de l'hôtel Maurice comme les lieux où se déroule ce livre, cette histoire. Est-ce que réellement il s'est passé quelque chose? Les employés se sont révoltés, oui, vraiment, oui, sur, oui, sur la direction? Bien sûr. Et ça a été seulement à l'hôtel Maurice? Non, ou d'autres, non, tous les palaces de Paris. Hôtels, tous les palaces. Tous les palaces de Paris. Et il y a même eu cette chose incroyable, c'est que les employés du Plaza et du Georges V, qui sont voisins, oui, ont fait une manifestation commune, avenue Montaigne, en uniforme, pour revendiquer. Uh-huh. Oui, oui. Non, ils ont tous voté l'autogestion, c'est assez étonnant. Assez étonnant. Et dans, ça a duré 3 jours. Voilà, parce que moi, mon roman se déroule sur une seule journée, mais dans les fêtes, ça a duré 3 jours, et dès que le général de Gaulle parlait à la radio, tout est rentré dans l'ordre. Uh-huh. Voilà. Je me rappelle très bien. Non, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils n'étaient pas en grève. Les clients étaient toujours logés, nourris, blanchis. Ce sont des gens qui ont une immense conscience professionnelle et en fait une grande fierté de travailler pour ce genre d'établissement. C'est d'ailleurs des établissements où ils restent 30 ans ou 40 ans. Donc c'est l'autogestion, mais ce n'est pas la grève. Ce n'est pas les ouvriers de chez Renault qui jouent aux cartes, hein. Ce n'est pas du tout ça. Non, c'était le changement des systèmes. C'est exactement. C'est la tentation d'un autre, on dirait une autre façon de manager les gens. En fait. Oui, je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui, oui, c'est ça. Mais qui évidemment est très difficile à mettre en œuvre, notamment dans un grand hôtel où les tâches sont quand même très hiérarchisées et très spécifiées, quoi. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir essayé ça, parce que y a eu un film l'année dernière, mais je crois qu'il n'est pas sorti en Espagne, qui s'appelait Le Redoutable et qui raconte le mai 68 de Jean-Luc Godard, le réalisateur. Et Jean-Luc Godard a été lui aussi tout à fait acquis aux idées de mai 68 et a décidé de pratiquer l'autogestion sur le tournage du film qu'il était en train de tourner. Et donc tous les matins, l'équipe du film se réunissait en assemblée générale, il n'y avait plus de chef, hein, le réalisateur n'était plus de chef, et on disait, ben, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, vous imaginez comme ça a avancé le tournage. Oui. Et donc ça a été une catastrophe, mais c'est exactement pareil. Ça a duré, oui, ça a duré quelques jours, et puis j'en ai oui. Donc vous avez profité quand même des faits. Le point de départ est tout à fait authentique, et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait ce livre c'est un jeu constant entre la réalité et la fiction, mais enfin les faits historiques ils sont vrais, oui. Oui. Merci. Merci. Je ne sais pas comment le dire, si en français ou en espagnol. Lo voy a decir en español. Póngase los cascos. Yo no la conocía a usted, ni he leído nada de usted. ¿Y qué podría decirme para animarme a leer su libro? Usted personalmente, que no sea... J'ai noté en Espagne une grande curiosité à l'égard de mai 68. Donc, je ne sais pas si vous la partagez.
sur ce qui s'est passé en France. J'avais 15 ans comme l'ambassadeur. Ah, en France. Ah, ah ben alors, premier point. Vous vous plongez dans votre jeunesse. Déjà, c'est pas mal, ça. Oh, oui, ah. C'est bien. Je vous donne un bon argument. Ensuite, mais en même temps, vous vous plongez dans votre jeunesse telle que vous ne l'avez pas connue. Parce que si vous étiez au lycée, vous n'étiez pas au Meurice, vous n'étiez pas dans un palace. Donc c'est une façon de voir mai 68 que vous n'avez pas vue. Pas inintéressant quand même. Oui. Voilà. Vous vous ennuyez pas. Vous, éventuellement, vous souriez, vous riez peut-être même par moments. Et vous apprenez deux ou trois points d'histoire que vous ne connaissiez pas forcément. Voilà. C'est pas mal, hein. 19 euros en France et je ne sais pas combien en Espagne. En el micrófono para la traductora. Sí, lo digo en español. Me llama la atención que, bueno, habla de una novela llena de humor, ¿no? Con muchas situaciones divertidas y que luego tiene un giro. ¿Esto estaba previsto desde el principio o fue una cosa que surgió a medida que lo creaba? Luego cambió un poco el final. C'est une très bonne question. J'avais d'abord écrit une autre fin. Au départ, vous avez lu le roman, je pense. Ah non, vous n'avez pas lu. Donc, à la fin de la journée, de cette fameuse journée du 22 mai 68, les employés s'apercevaient que finalement, ils ne pouvaient pas se passer de leur directeur. On le rappelait et tout rentrait dans l'ordre. Et quand j'ai fait lire à mon éditeur, il m'a dit c'est une fin beaucoup trop fermée, beaucoup trop sage. Et c'était assez drôle, il m'a dit, c'est une fin trop fillonesque. Alors ça, il n'y a que les Français qui peuvent comprendre. Il y avait un monsieur qui s'appelait François Fillon, qui à l'époque était candidat aux élections présidentielles. On était en pleine campagne électorale. Et en fait, ce qu'il me disait, il avait raison, c'était que c'était une fin trop raisonnable. Et il m'a dit, il faut que vous ouvriez votre histoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise, en refermant le livre, tout peut encore arriver. C'est-à-dire que la révolution peut continuer comme elle peut s'arrêter. L'autogestion peut marcher comme elle peut échouer. Et je crois qu'il a eu raison. Et du coup, j'ai réfléchi et j'ai utilisé ce personnage du notaire qui était mon personnage préféré. Parce que c'est là où il faut se creuser un peu la tête et se dire qu'est-ce qui peut se passer. Et où j'ai repensé à Dora Bruder, qui est ce roman de Modiano. Et je me suis dit, mais au fond, le notaire, si je calcule bien, il était à Paris, sous l'occupation, il avait l'âge, il aurait pu la connaître, etc. etc. Et là, j'ai remonté le fil de l'histoire. Voilà. Mais donc, en fait, la fin a changé. J'avais une première fin et j'ai un éditeur que j'aime beaucoup et qui donne, je pense, des bons conseils. Voilà, en tout cas, en qui j'ai totale confiance. Ah. J'en profite. Moi, en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre, c'est la façon que vous avez, et que je trouve assez forte, de passer d'un personnage à l'autre. Je trouve ça très fluide et ça ne doit pas être si facile à faire que ça. Et vous dépeignez les personnages en quelques coups de crayon. C'est pas des pages de description comme on peut en trouver parfois sur un caractère. Et je me demandais comment vous avez... Parce qu'il n'y a pas de chapitre aussi dans votre livre. Mais c'est très fluide, ça se lit comme... Enfin, il n'y a pas de chapitre, mais il y a deux séparations, c'est avant, pendant, après le déjeuner. Oui. C'est trois parties, en fait, en quelque sorte. Ouais. Oui, mais on passe d'un personnage à l'autre dans l'hôtel, en fait. Oui. Donc, ça fait très... série télévisé en fait. Vous savez, j'ai sans arrêt pensé à un film, quand j'écrivais Le déjeuner des barricades, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Et j'espère que vous le connaissez, sinon vous avez de la chance parce que vous allez le découvrir, c'est La règle du jeu de Jean Renoir. Et en fait, je voulais faire la même chose du point de vue des personnages qui galopent dans les couloirs, vous savez, dans ce lieu clos. Alors dans La règle du jeu, ils sont dans ce château, à la campagne. Et puis aussi, Renoir joue très bien sur les rapports entre les maîtres et les serviteurs. Et à un moment donné dans le film, en fait, tout le monde change de rôle. Plus personne n'est à sa place. Et j'avais envie de faire ça dans Le déjeuner des barricades, c'est que dans cette journée qui est en fait un peu surréaliste quand même,
à un moment donné, chacun va se mettre à une place qui n'était pas sa place de départ. Mmh. Et c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a cette comparaison qui court tout au long du roman, qui est la journée des fous, mmh. qui avait lieu au Moyen-Âge, mmh. où pendant une journée, vous savez, il y avait cette espèce d'énorme défoulement. Et voilà, le plus humble devenait, se mettait au sommet. Tout le monde changeait de rôle. Ça durait une seule journée. Le soir, tout rentrait dans l'ordre. Et les autorités encourageaient beaucoup ça, parce qu'ils savaient qu'après, ils étaient tranquilles pendant un an. Voilà, donc c'était ça ma source d'inspiration. Moi, ça m'intéressait beaucoup d'observer les relations sociales dans cet hôtel. Voilà, avec l'idée en plus que chacun des personnages principaux, à la fin de la journée, devait avoir changé de point de vue sur la question. C'est-à-dire que la dame du vestiaire, qui a priori est tout à fait contre mai 68, qui a un mari dans la police et qui est plutôt du côté de la sécurité et de l'ordre, à la fin de la journée, c'est elle qui dit que sans utopie, on est mort. Et le maître d'hôtel qui, lui, a fait voter l'autogestion à ses collègues, à la fin de la journée, il se met presque dans la peau du patron et il fait ses comptes et il devient un vrai capitaliste. Voilà, donc chacun a opté pour le point de vue de l'autre. Ouais. Mais les employés de l'hôtel, j'imagine que vous les avez inventés. Enfin, Je les ai rencontrés, ceux du livre. Oui. Ben ceux du livre, ils sont sortis de ma petite tête, oui. Donc je les ai croisés quelque part là-bas. Mais de toute façon, je n'aurais pas pu vraiment les rencontrer parce que... Je n'ai pas rencontré. Non, mais inventé, vous les avez... Mais le barman du Meurice, je l'ai retrouvé. Je ne l'ai pas rencontré parce qu'on a correspondu par mail et par téléphone, donc je ne l'ai pas vu en chair et en os. Mais en effet, il existe encore, mais il a plus de 90 ans. Donc vous imaginez que le directeur, il est mort depuis des années. Et de toute façon, mon idée était que les personnages, les employés... étaient des personnages inventés. Alors, bien sûr, il y avait un maître d'hôtel, il y avait un réceptionniste et il y avait un chef pâtissier, mais voilà, je ne les ai pas connus et je voulais me laisser cette liberté de créer des personnages. Oui, mais ils ont l'air très réels, en fait. Ah ben, c'est bien. Alors, ça veut dire que j'ai bien travaillé, finalement. Non, mais en quelques lignes, ils ont tous une histoire plus ou moins forte, la dame du vestiaire, le maître d'hôtel. Ouais. Les femmes de ménage, le marmiton, ils y sont tous. Ouais. Et vous ne les décrivez pas un par un, mais en quelques lignes, vous arrivez à leur donner un corps et on finit par se demander, mais ce Sylvain, le barman, justement, est-ce qu'il existe vraiment? Ouais. Non, enfin, oui et non, quoi. Mais est-ce qu'il s'appelle Sylvain? Non, d'abord, il s'appelle Pierre. D'accord. Il s'appelle Pierre, mais vous savez quoi? C'est lui qui a choisi que le personnage s'appelle Sylvain. Parce qu'il m'a expliqué plein de choses, évidemment. Et quand je l'ai retrouvé, je lui ai dit, écoutez, maintenant que je vous ai retrouvé, est-ce que vous voulez que j'appelle mon barman Pierre, puisque c'était votre prénom, et d'ailleurs au départ je l'avais appelé Alexandre. Et il a eu cette phrase merveilleuse, il m'a dit, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous l'appeliez Sylvain, parce que Sylvain, c'est le prénom du barman d'avant, celui qui m'a tout appris. C'était génial, alors je l'ai appelé Sylvain. Donc vous voyez, c'est un jeu en permanence. Hein. Mais bon, c'est Pierre, qui est le vrai barman, qui m'a expliqué comment on travaille, comment on fait les cocktails, voilà, et puis comment ça se passait en mai 68 pour les employés. Ouais. Ça, c'est, voilà, il m'a raconté. Et vous êtes amusée en écrivant le roman? Je me suis beaucoup amusée. Oui, beaucoup amusée. Ouais. Ça se sent, oui. Tous les matins, je me disais, qu'est-ce qui va leur arriver aujourd'hui? Puis je trouvais. Ouais, c'était très agréable à écrire. C'était pas douloureux. Non, c'était pas douloureux. Celui-là, il n'était pas douloureux. Voilà. Mais merci. Merci de vos compliments. La pregunta? Bueno, pues entonces levantamos ya la reunión. Les invito a disfrutar y meditar con esta novela verdaderamente divertida y que invita también a la reflexión, llena de personajes interesantes. Para los que estén interesados también en la literatura, será un placer encontrarse aquí algunos personajes históricos y disfrutar del sentido del humor punzante, pero no ácido, no amargo, de la señora Dreyfus. Y con esto yo creo que pues entonces levantamos la sesión. ¿Quiere decir? Gracias.